allez, ma petite fille. Ça y est, c'est la fin du calvaire, ma fille. Ça y est. Viens, ma belle. Ah, mon chéri. Ça y est, c'est maman qui s'arrête. Oh, bah oui, tu vas pouvoir aller jouer avec la mimine, en plus. Je m'appelle Ghislaine Maucourant. Je suis éleveuse d'American Staff depuis 20 ans. Un ami éleveur décédé maintenant disait « Celui qui les a rencontrés ne peut plus s'en passer. » Tiens, mon petit cœur. Petit bouchon, maman, ouais. Bah oui, c'est ma dinde. Oh, ouais. En race campagne, les gens ne savent pas réellement ce que c'est. Et en contrepartie, quand on va en ville, bah c'est « Théma la yeuve avec le pit ». Alors, le simple fait de posséder ce type de chien porte préjudice, effectivement, parce qu'il faut assumer le regard des autres, il faut assumer la réputation du chien proprement dit. C'est très mal perçu, même au niveau de la famille, au départ. Attention à tes enfants, tu vas te les faire manger. Enfin bon, les gens regardent beaucoup la télé, donc effectivement, reste sur les a priori. Tu vas me salir, attends. Oui, ma chérie, oui. Ces chiens ont été vus et réputés comme des monstres ou des chiens potentiellement dangereux par rapport à une poignée d'idiots qui les ont dressés à l'attaque. Malheureusement, on a le chien qu'on élève. Prenez n'importe quelle race et vous les éduquez de la même façon, vous obtiendrez le même résultat. Donc non, il n'y a pas de chien dangereux. La race n'est pas dangereuse par elle-même. Ma voiture puissante dans les mains d'un chauffard, c'est droit dans le mur. Un chien puissant dans les mains d'un connard, c'est la morsure. Bien, grosse de dinde. Allez. Oui. C'était bien, maman. Allez. Allez, doudou. Allez, fille. Ah bah, tu me ramènes ce que t'as envie, en fait. Hein? Oui, c'est vraiment pour me faire plaisir. C'est bien, doudou. C'est bien. Hein? Allez, encore un coup? Non. Je n'ai jamais eu peur de mes propres chiens. Je n'ai jamais eu de doute. Le risque zéro n'existe pas, mais le jour où je ne fais pas confiance à un de mes chiens, je ne le garde pas. Quand on est une mère de famille responsable, on ne laisse pas des enfants en bas âge sans surveillance. Un animal reste un animal, un prédateur avant tout. Donc que ce soit avec un chat ou avec un chien, on ne laisse pas un enfant. Mais dès l'instant où les chiens sont éduqués correctement, où évidemment on est là pour surveiller, il n'y a pas de problème.